Donc, si vous n'avez pas suivi le live de l'après-midi, du coup, l'épisode 2, dans cet épisode 2, nous avons fini le radeau. Alors, pour qu'il soit utilisable, fonctionnel. Ok. Et on a commencé à explorer les îles. Donc, on vient là-bas. À gauche, ça, c'est notre île de l'épisode 1. Ok. On est allé sur cette île, et on est venu sur celle-ci. On cherche une île sur laquelle s'installer. Ok. On cherche un havre de paix. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, bordel? Quelle heure il est? Je crois que c'est à foutre là, 18h56. Je vais dormir, moi, je vais dormir. Il faut qu'il fasse jour, on va juste checker les 2-3 épaves qu'il y a autour de l'île, voir s'il y a quelque chose à y récupérer. Et ensuite, on va partir, les gars. Alors, on est là pour trouver une île. Je veux trouver une île sur laquelle je vais pouvoir faire les fondations, etc. Faire une cabane. Un endroit d'où on pourra se dire c'est d'ici qu'on part et où on va. Et on revient. Ok, je rentre à la voile, on sait jamais. Enfin, ça partait d'une bonne intention, quoi. Il nous en faut qu'un, en vrai. On peut essayer d'en charger deux, mais... Oh là 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 là. Après, on part pas loin, mais... Bon, je crains le pire, quand même, les gars. Pas mal cette île, non? Oh putain, elle est encore plus belle celle-là là-bas, non? C'est normal, on s'approche de l'île. Ok, je sais pas trop ce que ça donne, ce que je fais. J'essaye juste de suspendre. Alors, c'est la base de la survie, les gars. Je joue RP. La base d'une fabrication, d'une construction de survie, c'est qu'elle soit en hauteur. Ok, je vous donne des petites règles de survie. En hauteur, permet de se protéger des prédateurs, parfois même des serpents, des insectes, mais aussi de l'humidité et du froid, et même du chaud. Isolé thermiquement. L'avenir nous sourit, pour l'instant. En même temps, c'est normal, puisque on a réussi à survivre en sautant d'île en île. Donc maintenant, survivre en ayant en plus un endroit où se replier un petit peu, hein, où temporiser, préparer des ressources en réalité pour pouvoir partir. Mais il pétait ce bateau. Mais monsieur, mais... Mais il n'y a rien dans ce bateau parce que du coup il est... Ça c'est ma phobie les gars, je crois. Je crois que c'est ma phobie. Oh, 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 oh fils de pute. Allez, c'est parti. Alors, on va aller à une île facile à repérer. Hein. On va pas faire les fifous. On va aller juste à cette île-là. Attendez, une île qu'on a pas repérée, peut-être? Juste à l'île qui se trouve à notre gauche, là. Elle est belle. Oh, regardez comme c'est beau, les gars. Bon, c'est pas fini, hein, mais... Il y a quelque chose. Hein. Il y a pas de île là-bas. T'as perdu, gros. Ça y est, j'ai un putain de bateau. Tu peux rien faire. Donc j'ai des outils, j'ai des trucs. Il y a beaucoup de choses à faire, les gars. Maintenant, je vous montre. Je vous montre, évidemment. N'hésitez pas à laisser des messages dans le chat. On peut faire... Et on va devoir faire
l'atelier de tannerie pour transformer le cuir en tissu ou plutôt en lanière de cuir. Le fourneau pour faire des briques. L'atelier de fabrique de planches pour fabriquer des planches. Abonnez-vous. Le métier à tisser pour faire du tissu. Le fumoir pour fumer de la viande. Pas fumer de la viande, mais la fumer pour qu'elle soit à conservation quasiment infinie. On pourrait aussi se faire un feu de camp en bas quand même avec un système qui permet d'attacher beaucoup de viande dessus. Mais bon, le fumoir aussi le fera. Il y a aussi la fabrique de briques, bah, qui nous permet de faire des briques. Et le distillateur à essence qui, à partir de pommes de terre, peut nous permettre de remplir des jerrycans d'essence, ce qui va être en fait indispensable. Parce que forcément, si on cherche à avoir quelque chose de thermique, bah, il va falloir le faire tourner. Et donc, dans les véhicules, on a donc la propulsion. Alors ça, c'est les gyrocoptères. On a ici la propulsion thermique, donc aka le moteur de radeau thermique. À savoir qu'il nous manque juste le moteur de véhicule qu'on a croisé maintes et maintes fois, qui a peut-être d'ailleurs autour de moi, mais que je n'ai pas récupéré. Marteau, boussole. Ouais, c'est bon, j'en ai. Alimentation de véhicule. Bon, vas-y, je la reprends parce qu'on est en train de chercher les pièces mécaniques, mais. Oh putain. C'est donc la caisse dont vous me parliez tout à l'heure. Putain, une grosse raie. Je vais me faire manger, je le sens. Là, je le sens là. C'est exactement le genre de situation où faut pas aller dans l'eau, les gars, tu vois. Oh putain, j'ai flippé, c'était un hareng. On peut entrer dans le bateau ou pas? Oh putain, il y a un rascasse! Ah, ça c'est super dangereux, les gars, plus dangereux qu'un requin. S'il vous plaît, que je ne fasse pas mordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, que je ne fasse pas mordre, s'il vous plaît, que je ne fasse pas mordre, s'il vous plaît, que je ne fasse pas mordre, s'il vous plaît, que je ne fasse pas mordre, s'il vous plaît, que je ne fasse pas mordre. Je me suis pas fait mordre. Tu comptes planter les pommes de terre ou c'est pas le projet? Alors, pas encore, parce qu'en fait, pour faire des bacs, ça se trouve vous déjà. Je crois qu'il y a culture, non? Oh, si, on peut les faire en autre chose. Parcelles cultivables, on peut le faire en bois, on peut le faire en tôle. Mais putain, mais oui, on va faire ça, les gars! Mais voilà à quoi va me servir ma tôle! Les opticiens! Mais trop bien! Fais voir. On a besoin d'un marteau à votre avis ou pas? Donc là, je vais pouvoir faire des bacs de culture. Dans lesquels je vais pouvoir planter du coup du yucca pour pouvoir produire de la corde plus facilement. Et aussi du végétal qui pourra produire de l'eau. Et des pommes de terre. En réalité, il n'y a que les pommes de terre quasiment qui sont vraiment, vraiment utiles à faire pousser. Pourquoi je peux pas? Ou nécessaire? Entretenir et nettoyer? Quoi? Entretenir? E? Maintenir E à nettoyer. J'ai la pomme de terre, je l'ai mise où les gars? Alors le problème c'est qu'il faut arroser les gars. Allez, on c'est chiant. Alors s'il pleut, ça s'arrose tout seul. Sinon ça meurt. Ça meurt, ça disparaît ou ça meurt Ça meurt, ça ne pousse plus. On m'a dit ça meurt, ça disparaît. Hein. Ah ben on redécouvre le jeu, Liwels. Ah, donc là je l'ai planté. Maintenant, comme vous le voyez, il n'y a pas d'eau. J'ai une gourde qui traîne quelque part. Bon, il est arrosé. Alors, le gros problème de cette. De la culture, en fait, c'est que.
on va être confronté au problème de à notre départ. Il va falloir que tout soit bien arrosé et faut pas qu'on parte trop longtemps. Ah bah sinon vous doutez bien que il va y avoir un problème quoi. Il faut reproduire de l'eau en permanence. Je pourrais faire plus de gourdes aussi. Avec un peu de chance, il va pleuvoir, en vrai. De la chance sur la RTV. J'y crois moyen, mais. C'est un plant de pommes de terre, ça? Sauvage, mais c'est trop bien. Je vais pas planter un yucca. Je vais planter de la pomme de terre. Ah, c'est mon côté gourmand, ça. La pomme de terre, ça va être la vie. Hein. Il va falloir stocker des quantités énormes de pommes de terre pour raffiner et créer de l'essence. Parce que l'essence. Hein? Ah, mais le moteur qu'on va faire, ça va pas être un hybride, hein, je vous le dis. Ça va sucer de l'essence. Plus on en a, mieux c'est. Hein. Gyrocoptère, moteur thermique pour le bateau. Si on veut pas être en mode oula, j'active le moteur que en cas d'extrême urgence. Il va falloir stacker. J'ai dormi, mais comme vous le voyez, ben, il est 4h53 du matin. Hein. Ben, c'est pas un streamer le mec, clairement. Notre prochaine mission, c'est l'exploration et la cartographie des îles environnantes. Donc chercher un moteur pour faire un moteur thermique, un moteur, la partie moteur du mot. Bref, faire un moteur thermique et cartographier la zone et explorer. Trouver éventuellement un boss ou des pièces d'un gyrocoptère. Bref, on veut se casser de cette île. Enfin, pas de cette île parce que c'est celle où on s'est installé, mais je veux dire se casser d'ici quoi. On veut rentrer à la maison, les gars, ok? Voilà, Netflix, tout ça, Burger King, ça nous manque. C'est ce qu'on veut faire. Et pour ça, ben, il va falloir avancer dans le jeu. Non, parce que si vous voulez, je reste là comme ça, noix de coco, viande de crabe, let's go quoi. Et si vous avez aimé l'épisode, laissez des pouces bleus.